Yo tout le monde, c'est Sadir, je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, comme vous avez vu dans le titre, on va faire un world tour sur Enoria. Alors Enoria, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est tout simplement un rims, voilà, entre amis, voilà, entre potos, entre potes, voilà. Et aujourd'hui, j'ai décidé, voilà, de commencer une petite série dessus. Je sais pas si j'en ferai beaucoup d'épisodes ou pas, je verrai. Donc, dans le premier épisode, je vais faire un world tour comme je fais dans chaque premier épisode des séries que je fais sur des rims. Je sais pas, pour moi, c'est un truc que je fais à chaque fois, comme j'avais fait sur Usaria et Wazoria, je crois, c'est un truc comme ça. Donc, on va commencer. Moi, j'habite un peu plus loin, ça sera en dernier, voilà. Donc, si vous voulez voir ma maison, ça sera la dernière chose qu'on verra. Donc, ici, on a le spawn, on spawn par là. Ici on a la maison de Stevie 2 YouTube, voilà, on peut s'est connecté, vous pouvez voir ici. Elle a fait une bonne maison, voilà, oh, maison assez classique mais que j'aime bien. Attends, pardon, tu sors pas. Voilà, elle a fait une maison pas mal, voilà, j'aime bien, elle est assez classique et tout. Des petits champs, voilà, que j'aime bien, et je me sers assez souvent quand il y a tout, pour me faire du pain, parce que tout simplement, moi, je me suis toujours pas fait. Mais méchant. Là et là il y a sa cabane, voilà, sa cabane où il y a des coffres et tout. Et là-bas c'est son champ. Moi bon, je trouve que depuis qu'elle a rajouté son champ, je sais pas. Moi perso c'est mon avis. Je trouve que ça fait moins joli. Ça fait moins joli quand elle a rajouté son champ. C'est dommage. Si tu vois cette vidéo, je sais pas si tu vas en prendre compte ou pas. Mais je trouve que ça fait un peu plus dégueulasse quand t'as rajouté ça. Sinon naturel comme ça, enfin naturel, quand t'as construit juste la cabane comme ça, c'était magnifique. Ici on a le petit pont pour aller un peu dans le village. Donc là on a la maison de Lila, Nator, Salir, donc moi et Marino. Marino c'est ça. Et Marino, ok. Alors moi j'ai déjà, bon, moi j'y serai plus dans cette maison, je sais plus comment, je sais pas comment ça va se passer. J'ai déjà enlevé mon coffre et tout. On a notre petite maison, voilà, c'est sympathique, là c'est pour mourir, voilà, on va dedans, on tombe et on meurt, voilà. Une maison assez sympathique, fait par Lila, je crois. Ici on a un petit champ, voilà, voilà, peut-être que je revienne aussi en chercher ici pour faire de la bouffe, mais je pense pas. Ici on a une petite farm à canne à sucre, vous pouvez voir, voilà. Je sais pas comment elle fonctionne. Je crois que c'est dès qu'il y a un troisième niveau, bah, ça coupe. Donc voilà. Ça prend pas beaucoup. Je sais pas si ça va vite ou pas. Ici, on a l'enclos. Voilà. On a beaucoup de chiens de Lila. On avait des chevaux ici. Mais voici Robert. Il y a eu un. En fait, il est mort, ton Robert. Hein. En fait, Robert, c'est un cochon qui de base. Qui de base était un cochon. Et il y a eu un éclair. Et il est devenu un zombie. Un pigman. Ok. Bon, ça, c'est les chiens de Lila. Ici, c'était l'enclos, le grand enclos de tout le monde. Bon, ben, vous pouvez voir que ça n'a pas avancé. Parce que là, en ce moment, il y a moins de connectés. Là, c'est l'enclos de tout le monde qui a toujours pas été fini. Je sais pas si moi-même, je vais le continuer. Si vous voulez que je continue en vidéo, alors, voilà, quand je dis en vidéo, c'est les trucs basiques comme ça. Je sais pas après comment ils veulent faire. Si vous voulez que je continue un peu en vidéo, ben, dites-le moi, voilà. De base, c'était pas moi, mais voilà, vu qu'il n'y a personne qui le continue. Alors ici, c'est un truc qui devait être construit, je sais pas ce qui va être construit. Je sais pas du tout, mais on verra pour l'instant, ben, voilà. Ici, on a la maison de Rescoz, voilà, celui qui a fait la vidéo avec moi sur l'omelette, voilà, celui qui a fait l'omelette. Si vous l'avez toujours pas vu, n'hésitez pas à aller la voir, voilà. On a la petite maison de Rescoz qui est, enfin, sa petite, sa assez grande maison, voilà, qui est sympa, voilà, il a mis beaucoup de design quand même, et franchement, c'est super joli, il y a une potion, ok, c'est bon, oui. Ah non. Ok, donc ici, on a la maison de Isfor, je crois bien, voilà, Isfor, qui a fait un champ assez sympathique. Oh, excuse-moi, je n'ai pas... j'en ai pas là maintenant, mais je te le remettrai après, excuse-moi. Voilà, donc il a fait des petits trucs. Roger, ok, je sais pas ça. Et là, si on a une farm à boules de neige, voilà, si tu veux farmer des boules de neige. Enfin, voilà, toi tu sors pas.
Donc ici on a la maison de Isfor, voilà, un truc assez basique quand même, assez petit. Alors, par contre, il a vraiment bien fait les tables. Logiquement, c'est des bambous, vous voyez, pour monter. Et là, il a fait en forme de table. Donc, honnêtement, bah, j'attends parce que j'aurais jamais pensé à en faire des trucs comme ça. Alors là, ça doit être une petite grotte, je crois, mais on n'ira pas. Ici, on a la maison de... Allez, de Sayuran, voilà, sa petite maison. Bah, il n'a pas trop avancé, il se connaît pas souvent aussi en même temps, souvent. Donc il a pas trop avancé, là on a le portail du Nether. Mais ouais, mais sinon, Andor, elle est vraiment pas mal. Elle est sympa, voilà, il y a un beau design. Sympa, sympa. Ici on a tout simplement un phare, si on peut appeler ça, ouais. Alors build Bar Sauron et Mila, voilà les bests. Les bestounets. Ah, ils ont fait un escalier, j'étais toujours pas rentré. La dernière fois c'était juste des échelles. Mais franchement, ça fait sympa comme ça fait sympa. Voilà, c'est un petit phare, voilà, qu'ils ont construit, qui est franchement, j'adore, honnêtement, j'adore. Moi, ils ont dû un peu galérer pour les laines, hein, je sais pas. Ils ont dû un peu galérer pour les laines. Comme ça, on va descendre. Hop là. Ici, on a le terrain de Mila qui a toujours pas été avancé, voilà, mais on a le terrain de Mila, ici. Ici, on a la carte du monde, enfin du monde, de tout le village, voilà, vous pouvez voir à peu près. Et ici on a tout ce qui, le coin ici on a le coin de Kemovin et sa team, voilà, avec leur petit chant assez sympathique que j'aime bien, voilà, ils ont fait un bon truc. Là, auberge, voilà, c'est une auberge qui est assez sympathique, voilà, il l'a bien fait. Je crois que c'est que Kemovin qui a travaillé dessus, je sais pas exactement si Mila ou autre ont travaillé dessus. Là-bas on a un petit truc à cana, non, ici on a l'enclos, je crois, de son cheval squelette. Et ici on a le terrain de Kamovin, voilà. On a le terrain de Kamovin, voilà. Alors de base, hein, je vous dis juste, hein, de base c'était une montagne. Hein. C'est un malade. C'est un malade. Alors moi aussi je suis en train de faire une mine assez grande. Bon, pour l'instant quand on va y aller, ça sera petit. Mais ce que je vais vous faire voir, à mon avis, vous allez comprendre. Et je pense que ça sera gros. Ça sera énormément gros. Et en gros, il a prévu de miner jusqu'à tout là-bas, jusqu'à que ça s'arrête là-bas. Et de raser en fait toute la montagne. Toute la montagne là, mais bon, à mon avis, s'il a déjà fait tout ça, à mon avis, il est capable de faire tout ça, honnêtement. Je pense qu'il en est bien capable. On va aller là-bas, on va aller voir. Alors ici, on a une petite maison, je sais pas de qui elle est. Je crois que c'est prof de gaming. Ouais, pas Sido, mais moi je l'appelle prof de gaming, l'ancien, si vous connaissez pas. Voilà. Donc on a la petite maison de prof de gaming, voilà, c'est sympathique. Bon, il l'a pas fini. Donc voilà. Et là-bas, on a le coin de Marlink et de Mima. Donc ici, on a le petit truc de Mima. Voilà, il a tué un Wither fait exprès. Voilà. Moi, je sais pas si j'en ferai un spécial juste pour moi. Voilà, une petite vidéo où je me bats contre le Wither. Je pense que j'en ferai une. Et aussi pour l'Ender Dragon, je ferai un event directement. Enfin, un event. On sera tous ensemble, mais je pense soit faire une vidéo, soit rec, soit faire un live, voilà. Ici on a plein de bambous, voilà, si vous en avez vu. Voilà, boîte aux lettres de Mima. Voilà, boîte aux lettres de Mima. Mima qui a fait une maison un peu moderne, voilà, qui est vraiment assez sympathique, j'aime bien. Moi j'aime bien tout ce qui est moderne et tout. Bon, moi j'ai pas fait en mode moderne ma maison. Wow, table d'enchant et tout. Moi aussi la table d'enchant, faut que je la fasse. Mais pour l'instant... Voilà, on a vu, voilà, on voit ces petits trucs et tout. Ces petits. Là, je crois que ça doit être ces. Alors, moi, on m'a dit que les items frame, ça faisait bugger. Donc, j'en ai pas mis, mais du coup, je pense que j'en mettrai quand même. Je sais pas, on verra bien. Et là, on a son petit truc, voilà. Ici, on a le coin de Marlink, voilà, avec sa petite statue assez sympathique, voilà. La petite statue qui me fait bien rire quand je la vois. Et la maison de Marlink, voilà, Marlink qui est, pour moi, ses grands builders, enfin. Bon, pas beaucoup, mais pour moi, ce qu'il fait, ils sont vraiment stylés. Voilà, ce qu'il fait, c'est vraiment stylé. Honnêtement, j'aime bien. Voilà. Même si pour moi, alors je sais pas qui est le plus grand builder sur le serveur, hein, mais à mon avis, les plus grands, moi je dirais entre Rescose. Alors moi, je dirais Kamovin, Rescose, Lila. Et après, je sais pas. Et là-bas, vous voyez, ils sont en train de faire un grand portail du Nether, je crois bien. Donc ça fera assez sympa, je crois. Je pense, on verra. Et on va tout simplement aller chez moi pour la fin de la vidéo.
J'espère que j'aurai bien tout expliqué, bien tout fait voir. De toute façon, il y aura d'autres vidéos. Alors là-bas, c'est une canne à pêche. Hein. Là-bas, c'est une cabane à canne à pêche. Il y aura une autre vidéo, de toute façon, d'ici. Peut-être sur les 10 épisodes. Ou si ça avance bien, on verra bien. Donc, là, c'est en construction. Pour l'instant, j'ai pas du tout fini. Voilà, donc de ici à là-bas, ça va chez moi. Donc, c'est parti. Donc, là aussi, j'ai pas fini. Voilà, j'ai encore plein masse trucs à faire en fait. Donc là, je sais pas si je dois mettre un peu plus d'accélérateur ou pas. Voilà, pour l'instant, c'est moi qui vois sur le temps. Mais bon, pour l'instant, ça avance assez bien. Voilà. Alors là, c'est vraiment pas encore en construction. Voilà, j'ai encore masse trucs à faire. Genre, tous les murs que vous voyez, ça sera tous détruits. Tout détruit. Voilà. Donc, et là, on arrive chez moi. Voilà, du village là-bas à chez moi. Et bon, c'est pas encore bien avancé. Là, j'ai ma petite maison, voilà, chez Salière. On a un petit chemin, voilà, une petite boîte aux lettres. Et ma petite maison, qui est pour l'instant assez basique. Hein. Pour l'instant, j'ai pas encore très bien avancé. Mais il manque beaucoup de choses. J'ai fini il y a 2-3 jours la maison. Voilà, vous pouvez voir tout ce qui est minerai. Voilà, bon, 13 blocs de diamants, j'ai assez farmé pour ça. Voilà, vous pouvez voir tout ce que j'ai. Voilà, bon, c'est assez basique hein. Pour l'instant. J'ai pas encore énormément de choses. Là-bas, on a la petite cabane. Voilà, petite cabane à canne à pêche. Et je vais vous faire voir la mine que je suis en train de faire. Qui n'est pas encore finie. Je sais pas qui est en train de tirer des flèches. Et là, on a ma petite mine. Voilà, qui est en train d'avancer. On va descendre. C'est parti. On va descendre. Et pour ceux qui ne l'ont pas vu sur mon live que j'ai fait pendant 5 heures. Hop là. Je vous le mettrai en description. Voilà. Tu te sers des trucs là? De quoi? Tu fais des. T'es sur mon créature là? Ah non, de quoi vous le dites? Ouais, t'as ton mode Ah là? non, non, T'as c'est ton mode? à la À la main. main? À la main, il y a un pioche en fer. T'es trop chaud, Et vas-y. regarde, et tu vois, Ouais, genre là, trop tu vas me dire, chaud. j'ai ça, et encore ce mur à faire. Mais en fait, tu vois ces murs-là? Ouais. Bah, ça aussi, je vais raser. Mais gros, tu sais que je pensais que t'avais pris le mode À World Edit? Non, non, il n'y a pas World Edit, c'est à la main, pioche en Non, pas fer. World Edit. Pas C'est World quoi? Edit, tu sais, c'est le mode que moi j'ai mis. Mon créature. Mon créature, pourquoi mon créature? Peut-être après t'as un truc qui te permet de miner en optimisé. Ah, bah ça, je sais pas. C'est une carte en gros, tu l'actives et puis ça te creuse en gros, ça te laisse tous les minerais et puis ça permet tous Ah les ouais. blocs Ah optimisés. ouais, si je connais. C'est bon? Ouais, mais non, non, moi c'est à la main. Ça, c'est pur. Enfin, à Yes. la main. Pioche en fer. Ah mais t'es chaud, t'es grave chaud. Regarde, gros, tous les coffres. Moi, bon, après, j'en ai donné un peu à Camovin. Mais regarde, gros, tous les coffres. Mais t'es. C'est quoi? C'est un serveur Ouais, ça? c'est un Rims. C'est un Rims. Ah mais cool! Ouais, c'est un petit Rims. Il paye tous les mois. Mais la mer. Genre, là, c'est sur 100 blocs. En gros, tu vois. Genre, tu vois, à partir d'ici, je suis à 218. Si je vais tout là-bas, c'est à 118. 118, Tu vois, je suis assez chaud, tu vois, dans mon travail. Hein. oh, t'es Là, détendu. j'ai pas encore fini. Hein. Là, honnêtement, j'en ai pour. J'ai fait ça pendant 5 heures à un moment. J'ai fait un live pendant 5 heures. Pour ceux qui n'ont pas vu, il sera en description. Voilà. Mais bon, après, je pense pas que vous allez voir pendant 5 heures si vous êtes vraiment BG. Et donc, il me reste encore plein de constructions à faire. Genre ici, bon, bah, il manque la petite cabane pour rentrer et aller dans le village qui est tout là-bas. Et là-bas aussi, bon, il manque encore plein de trucs à faire. Le prochain World Tour, il sera d'ici une dizaine d'épisodes. Ou bah, si ça avance bien dans le Rims, bah, ça sera d'ici quelques jours. Enfin, quand je dis quelques jours, peut-être 2 à 3 semaines, voilà, ou voire un mois. Je peux en faire 10 tous les 2 jours, hein, pas déconner. Donc voilà, donc je vous laisse sur la fin de la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à partager, liker la vidéo et à vous abonner. Toutes les chaînes des participants du RIM seront en description, voilà. Il y a elle aussi là. Donc je vous laisse sur la fin de la vidéo, on se dit à la prochaine. Hey, bye bye! Nico, 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 N